aller gagner la retraite pour les autres. Tu m'étonnes. Essaye de gagner beaucoup parce que si tu pouvais prendre ma retraite maintenant, moi ça m'intéresserait. Où c'est que tu es coulé? Ah non, je suis en train d'attraper, là je suis recadré rive droite, et là je suis en train d'attraper la bretelle qui va vers vers le pont d'Aquitaine, sauf que là je sors juste après les trucs de gendarmerie d'autoroute là pour descendre sur les quais de Bassins par la côte de la GT. Ah ouais, ok, ouais, mais moi je suis en bas du pont d'Aquitaine, ouais, on va pas se croiser alors. Wow. En bas du pont d'Aquitaine, non, on va pas se croiser. Bon, écoute, mon petit ami, on va rester prudent parce que tous ces caca qui se promènent, on sait jamais. Je te souhaite une bonne fin de soirée, le bon trou, puis ma foi, peut-être à demain matin. Alors, demain matin, pour ma part, je termine à 6h. Donc, si t'es dans le quartier, à cette heure-ci, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des chances qu'on s'entende vers les 6h15 parce qu'il faut que je sois assez bien en tout cas pour aller charger le mille pâte. Oui, c'est possible, on se confie. Bon, mais si je te confie pas, mais bon, si week-end en plus, ça pourra arriver. Ok, ah bah tiens, tu me fais penser, il faut que j'envoie un SMS à Senteur, Daniel, qui lui est du côté de Saint-Médard et qui va au pro là sur Martignas. Là, comme ça, je l'aurai. Eh hey, merde, le feu est vert, je m'arrête. Ouais, n'importe quoi. Mais. Comme ça, je l'aurai en fréquence demain matin, hachis trois coups. Ouais, mais à quelle heure il est là-bas? Je vais garder 6h30-7h, lui, parce que l'habitude, je vais à peu près dans ces heures-là. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, comme ça, si on est tous les trois demain matin, ce sera pas mal. Comme ça, ça incitera les autres derrière à prendre le micro avec. Parce que c'est bien un truc que j'ai remarqué, c'est que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme écouteur, Lyon? à croire que le micro leur échappe des mains ou ils ont peur du micro. Quoi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, t'as les bonnes amitiés de Barracuda 7-9, ce que j'ai eu hier après-midi. Barracuda 56, pour être plus précis. Ok, d'accord. Ouais, il fait la navette, lui, comme ça, là, sans arrêt. Hein. Ah ouais, tout à fait, ouais. Après, je m'en fais trop du jet partout, ouais, mais c'était ça, mais c'est pas trop sûr. Là, ils remontaient sur Nantes hier soir, ils ont tapé au passage, et puis ils m'ont appelé, évidemment, ils sont déçus, quoi, hein. Y a pas de problème, j'aurais bon, hein. Et donc, je lui ai dit, ouais, que ça est pas entendu depuis plusieurs jours. Ben oui, hier soir, j'étais du côté d'Absac, là-bas, pas loin de la Dordogne. Ce soir, je suis sur Bassins. Je navigue sans arrêt, quoi. Voilà, et ça risque pas de s'arranger vu comment c'est parti. Puisque là, c'est en pourparler là, que je fasse partie là, d'une équipe qui se tienne toujours prêt à aller sur site. C'est pour répondre à une demande de la clientèle, justement, là, qui sont en télésurveillance, un truc comme ça. Suite à une connerie, que quelqu'un puisse arriver directement sur site, hein, pour le temps d'eux, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, je vois ce dont tu veux parler, y'a pas de problème, je vais côtoyer ça. Voilà, je crois que le système, ça s'appelle Réponse, un truc comme ça, là, au niveau du pro. Donc, mais tout bon, c'est pas encore tout à fait mis en place, parce que avant ça, il y aura une réunion. Et on va discuter du salaire. Moi, je veux bien, ok, ça m'intéresse, ok. Mais certainement pas pour qu'à la fin du mois, je gagne moins. Ou pareil, faudra forcément qu'il y ait un plus, hein, sinon ça ne le fera pas trop. Hein. Ouais, mais le mieux, Rémi, tu fais comme moi, tu refuses le salaire. On va tout en l'argent et le patron, non, moi je m'emmerde pas avec ça. Oh le con, tu travailles bénévolement, mais comment veux-tu ramasser des sous pour les autres, là, pour leur retraite dans ce cas-là? Heureusement que je te connais, parce que là, pour le coup, je le prendrai au sérieux, là, ta connerie, là. Voilà, c'est bien ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux, ils vont mieux en rire, comme dit, on dit, ils ont l'air de misère, tu vois. Hein. Voilà, mais c'est comme ça. Bah, le principal, déjà, c'est avoir du pro et les prendre du plaisir, c'est tout ce qu'on a. Bah, tu m'étonnes.
Oh, bah, de toute façon, et puis là, tu vois, moi, s'il y a un truc que je remarque, c'est que la plupart des gens ne veulent pas bouger, ils sont grincheux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais que font-ils pour améliorer leurs conditions? Eh bien, ils se plaignent encore plus. Voilà, c'est hallucinant. Moi, au contraire, toi, je navigue là, sans arrêt, là, d'un côté, de l'autre, ainsi de suite. Je me crois en vacances, moi, au bout du compte. Donc, moi, ça va très bien, pour moi, quoi. Ah, tout à fait, ouais. En plus, normalement, ça s'est payé pour te promener, hein. Ça sert bien, on t'a remboursé. Ouais, enfin, quelques détails près. Voilà, là, je viens d'arriver sur le site. Oh putain, le con, je suis arrivé trop tôt, quoi. Je prends à 19h. Il est 7h20. Quoi. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je crois que je vais retourner au QRA pour revenir plus tard. Je vais te dire, le mieux de grand temps, nous ne pas emmerder par la pendule, l'anti-ami. Ouais, voilà, c'est ça. Les pendules, ça sert à rien, quoi, si ce n'est que nous faire chier, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Attends, j'en ai un là qui me suit là. Pourquoi il me suit là? Il va où? Ah ben attends deux secondes, ne quitte pas. Ok. Ouais voilà, je suis là. Non mais le mec, n'importe quoi, quoi. Il y en a, ils sont aveugles, sans déconner, quoi. Ils voient les noms qui sont marqués là sur l'entrée du site, et ils se demandent si le client où ils veulent aller, qui n'est pas du tout là, c'est bien ici, quoi. Ok, ça marche, bonne soirée, demain matin. Ok, ciao. Sur la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Hey Pascal, bonne journée avec papy Peter. Ouais, bonne journée, ouais. C'est pas sûr, hein, mais bon, on va essayer, quoi. Bon, alors avec papy, ça se passe bien, avec d'habitude papy, ça se va. Lui, il est quand même professionnel. Ouais. Dans les points.
ça fait rouge de merde là, de traverser là. Mais après nous. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Là, je suis en train de me balader un petit peu là pour le moment. Hachi, je t'entends très. Tu dois sortir de chez toi là, je t'entends très petit là. Ok, ça marche. Ouais, vu ce que tu m'as dit hier soir, je me suis dit, ben, je vais me balader un petit peu dans le coin. Là, je suis sur l'Orbon, là, j'étais faire un petit tour un petit peu dans la cité là et tout là, puis je suis en train de revenir vers Rigueur. Pour reprendre la route, en attendant de t'avoir en QSO. Ah ouais, c'est pas un peu de retard à l'embauche, ça va bien, petit. C'est vraiment, mais c'est pas bien, non. Ça va partir sur la journée. Bon, et du coup, ça va l'empirer vite, je vais te poser devant la journée, on va prendre un petit repos, puis à bientôt. Ok, je suis en train de faire le tour du rond-point de Ricard, là, voilà. Putain, les cons, ben, c'est pas grave. J'ai dû louper la bouteille en passant. Hein. Ok, ça marche. Les bonnes sont 13,50 à toi. Bonne journée. Attends, j'ai un petit peu de QRM. Vas-y, reviens-moi. Je te disais, cherche pas la bouteille de Ricard. C'est moi qui l'ai récupéré hier soir en débauchant. Ah, c'est pour ça que je la retrouve pas. Quoi. Hey, je suis trois coups. Putain, qu'est-ce que j'ai comme QRM ce matin? Au secours! Ok, allez, bonne journée à toi et amuse-toi bien surtout! Ok, ciao, à plus! Ah oui, en fait, c'est vrai. Non, je lui ai envoyé. Oui et non. Je lui ai envoyé un SMS. Il est en repos aujourd'hui. Il n'a pas envie de travailler pour les retraités. Ok, ciao.